Bonsoir. Comment allez-vous? Nous nous retrouvons donc, hop, pour le petit live GTA. J'espère que ça va bien fonctionner en changement de scène. C'est bon. Putain. Alors, comme je vous disais, sur Twitter, j'ai maintenant. Ah, bolide. J'ai. Et on me l'a quasiment offert. Pour tout vous avouer. Je vérifie juste 2-3 petits trucs. Ça, c'est bon. C'est là. Et ça, c'est bon. Ouais, je fais tout bien. Tout bon. Tout comme il faut, comme on dit. Il faut que je fasse gaffe. Sinon aussi je dois faire attention à l'essence. Je vais faire plein d'essence, je pense, avant de. Parce que j'ai un peu fermé de mon côté. Et en farmant, en fait, j'ai rencontré quelqu'un au bar qui était très sympathique et qui m'a donc offert tout ça et il m'a aussi donné des contacts. Hop, je vais faire l'essence là. Ah, ça c'est cool. C'est un petit truc, hop, ça j'enlève. Boum boum. Ok, tac. Un téléphone de merde. Voilà. C'est bien mieux. Bon, il y a un système de clignotant. Je trouve ça magnifique parce que ça se voit rien. Putain, 6 à 80. C'est de la merde. En tout cas, bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur ce live. Yo, Costa. J'espère que ça va pas trop pomper trop d'essence. Trop cher. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Alors, déjà, ça les deux états, ça a compensé ce que ça a coûté. Et du coup, je vais aller à mon rendez-vous. Merde, c'est là que je l'éteigne. J'ai vraiment envie d'aller à fond. C'est horrible.
Hi, konnichiwa. Bonjour monsieur Aishi, c'est ça? C'est ça. Enchanté Luc Anderson, je vous appelle parce qu'on m'a parlé de vous, on m'a dit que vous cherchiez du travail. Effectivement. Est-ce que on pourrait se voir pour discuter de ça si vous êtes disponible? Bien sûr, je suis disponible tout de suite. Ok, bah je vous envoie une position et puis on se fait ça. Pas de soucis. Allez, à plus tard. Merci, à plus tard. Et ben voilà, je l'ai mon rendez-vous. Ah là là. Vas-y, le wifi de merde. J'ai ma vie. Sur le côté. Bon, là j'attends le travail. Ah, triste. J'espère que ça allait. Aïe. Oh putain de coude. Bon, voilà, voilà. Wep. Donc ça se marche comme ça. Bon, ça, on peut chier. Il doit être en train de chercher une bonne position. Moi, je vais aller retourner au garage. Position sympa. J'ai tous les coups, je vais dans son quartier, je vais me faire buter. Mais je pense que c'est le jeu. Qu'est-ce qu'il se raconte sur Twitter? Ouais. Je vais faire un truc avant de... Hop, on va sortir ça. C'est l'occasion, vu que c'est la dernière fois que je le vois, parce que je vais le vendre juste après. Comment on fait? Ouais, bon. Ah, je... Voilà. Ça ne marche pas. C'est chier. Ah!
Annuler. Échappe. Position GPS. D'accord. Hey yo, ça va bien? Ça va et bouf. Ouais, ça va tranquille, non? J'étais juste à côté en fait, c'était plutôt rapide. Ah bah oui, bah nickel. Bon, du coup, je suppose que si moi on m'a dit que tu cherchais du taf, c'était dans quelque chose qui est autre chose que légal, quoi. Je travaillais au Japon dans des choses illégales, alors je ne suis plus à ça près. Ah bah nickel, nickel. Nous, ce qu'on peut te proposer, c'est pendant une petite semaine, te donner des trucs à vendre. On te fait un taux à 50% sur ce que tu rapportes D'accord. en argent sale. Là, pour l'instant, ça va être de l'opium qu'on aurait. D'accord. Pourquoi pas, on peut avoir de la weed aussi, si tu préfères vendre de la weed. Après, pour le reste, on verra plus tard. D'accord. Là, on peut. Tu préfères qu'on te fournisse comment? C'est-à-dire des quantités un peu conséquentes que tu peux stocker ou quand tu veux vendre, si on est dispo, tu nous appelles et puis tu peux faire des allers-retours. Je préfère par exemple plante tenant pochon. Comme ça, si jamais je me fais attraper, je perds pas trop. Ok. Oui, est-ce que t'as rien pour. T'as pas de véhicule pour stocker sinon si on donne plus. J'ai une moto, mais je ne Ouais. sais pas combien elle a de stockage. Ouais, non, c'est compliqué les motos. Ouais, bah on peut faire comme ça si tu veux. Bah tu peux tirer dans le camion. D'accord, le camion Wizard News. Ouais. Ouais, c'est ça, celui-là. Voilà, Hop. j'ai pris Tolante. C'est ça se vend comme les cocktails, c'est ça? Ouais, exactement pareil. Tu vas voir l'opium, ça rapporte plus ou moins. Disons que si tu te fais choper par les flics, avec 30, enfin, si t'as commencé à vendre avec 30, tu vois, que t'as presque tout vendu, t'auras pas assez d'argent sale sur toi pour que les flics soupçonnent que ça en soit et qu'ils aient besoin de vérifier. Donc c'est-à-dire que là où t'as le plus de risques de Oh perdre, là là. c'est au début de ta vente. Bah t'as 30 sur toi. Mais bah plus tu vends, moins t'as de risques de perdre de trucs. C'est-à-dire que tout ce qui est vendu, c'est vendu. C'est avec 30 sur toi, tu vas pas dépasser le montant. D'accord, je fais bien alors de plan Ouais, de exactement. Toulante. C'est ça. Tu pourrais prendre plus, mais le truc c'est que si tu te fais choper au début de ta vente, bah tu perds plus quoi. Je perds beaucoup et c'est une perte pour vous. Ouais, bah ouais, après t'inquiète pas, hein. Genre on va pas te taper dessus si tu perds 30 cochons ou un truc comme ça. Hein. Vous êtes sympa, moi avant je coupais des doigts.
Bah, Ah ça oui, dépend. on Non, n'est pas attends, attends, encore dans les... attends. On a pas pris l'opium qui aurait été On va sympa. pas te couper un doigt si tu perds 30 pochons d'opium. Si tu perds d'autres trucs, mais on va pas forcément donner ça tout de suite, tu vois. T'imagines. Bah, c'est pour ça que là, pour l'instant, on te met un peu à l'essai. Et puis, si ça se passe bien, si c'est ok, bah, on pourra te proposer d'autres trucs plus tard. D'accord. Du coup, j'ai votre numéro, mais Ouais, le du... mien, Luc Anderson, Luc normalement t'as. Anderson. Ouais, c'est ça. Tu veux que je t'envoie par message le nom peut-être? Si votre nom s'écrit LUC, ça devrait aller. Ouais, c'est ça, LUC. Après, tu peux l'écrire à l'envers aussi, ça fait Q et vu qu'il Ferme pue. ta gueule, Josh. Je n'oserais pas, je ne sais pas comment je finirai. Vaudrait mieux, ouais. Parfait. Et tu peux prendre le numéro du monsieur aussi. Du monsieur. Cinquante-cinq soixante-quinze. Ah, j'ai pas vu. 55 75. C'est ça. Ouais. 555 tiré. 5575, oui. D'accord. 555. Et votre nom, c'est Joshua Johnston. Joshua Johnston. Ouais. Pas le fait. Du coup, si Luc est pas là, moi je suis là. Si je suis pas là, Luc est là. D'accord. En général. Après, des fois, il peut arriver des soirées où il y a personne. Bien sûr, il faut faire dodo. Exactement. C'est Il ça. faut faire dodo aussi. Tac. En général, alors, toi, on peut te contacter pour dire quand on est là et quand on a des trucs à donner. D'accord. Mais si, enfin, c'est comme tu préfères en fait. Est-ce que tu veux qu'on te t'envoie un message quand on est dispo? Ou l'inverse, genre tu veux, quand toi t'es dispo, tu nous envoies un message pour savoir si on est là. Je préfère vous envoyer un message. Ok. Eh ben on Ok. fait comme ça. Si on te répond pas dans les 20-30 minutes qui suivent ton message, estime que soit on est vraiment pas dispo, soit qu'on n'est pas là. On est en D'accord. train de dormir. Et comment sont les policiers ici? Ils sont doués ou pas? Ils sont cons. Alors, ça dépend. Ils sont cons. Très bien. T'as déjà fait de la vente ici autre que les cocktails ou pas du tout? J'ai seulement fait des cocktails, ça fait depuis mardi que je suis là. Ok, alors. Est-ce que quand vous vendez des cocktails, il y a des clients qui vous refusent? Il y a des clients qui nous refusent, ils nous disent qu'ils Ok. sont pas dedans. Je ne comprends pas, c'est juste des cocktails. Ouais, bon, bah disons qu'ils disent la même chose quand tu vends, sauf que potentiellement, il y en a qui peuvent Appelez la essayer d'appeler les police. flics. Appelez les flics. Du coup, quand il y en a un qui veut pas, mieux vaut que je change de zone. Alors, ouais. Ça, en fait, c'est toi qui juste. C'est-à-dire que si tu. Comment. S'il y a un refus et que tu vois des flics qui débarquent dans la seconde ou. Qui sont un peu chauds, tu vois. Là, ouais, tu peux te dire qu'ils sont tendus et puis qu'ils sont prêts à arriver un peu rapidement. Mais des fois, tu peux attendre un ou deux refus, tu vois. Ça passe. D'accord. Faut jauger en fonction des flics. Ça dépend combien ils sont. En général, en vrai, passé 21 h, là, il commence à y avoir du monde. Donc, ouais, il commence à être un peu chaud. Mais, ça. Si tu fais une vente, par exemple, pendant qu'ils sont sur une grosse opération, que c'est annoncé sur Iso News, tout ça, qu'il faut pas approcher une zone, bon bah là, ils vont être moins au taquet, donc tu peux te permettre de rester plus longtemps sur tes zones de vente, quoi. J'imagine. Mais après, il y en a qui sont doués, il y en a qui sont moins doués, ça, il y a un peu de tout chez les flics, quoi. Comme j'imagine. Bah, Un très peu bien, partout. merci beaucoup, je vais commencer à travailler. Ouais, ok, pas Oh, de soucis. t'inquiète, t'inquiète. À tout à l'heure. À tout à Ouais. l'heure. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée.
Ça marche pas. Alors. Donc là, on vient de commencer à faire le premier test. Ça, c'est le premier pas au monde criminel. Ensuite, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, parce que je sais que dans d'autres serveurs, c'était. Parce qu'il y a plus, plus facilité de faire des braquages. Là, ça a l'air plus compliqué. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Au moins, comme ça, je vais mettre à essai pour une semaine, il va se passer. Soit ils vont m'intégrer au groupe, soit ils vont voir que je veux faire un truc. Et du coup, ils pourront mettre sur des braquages, etc. J'ai aucune idée de quel groupe c'est. Et je vais pas regarder sur, sur l'outil pour éviter de donner des infos HRP. De l'opium. You good? Same old shit, you know? My wife's left me for a fucking two-bit actor. Whatever. My kids, they don't want to fucking see me. My boss treats me like shit. Fucking whatever, right? Donc là on vend, c'est marrant parce qu'il y a des prix différents. Par exemple, lui il a payé 31 pour chacun et lui je cherche à me calculer. Il en reste combien? Ça se vend rapidement. Hop. Mais ce bout de chip boulevard la nuit, ça vend hyper bien. C'est un truc que j'ai. Oula, putain, il m'a bien vendu. C'est quelque chose que j'ai appris. Que j'ai appris, comment dire, demande mes sessions de vente de cocktails, et puis durant mes sessions de on va parler d'autres choses, d'autres lives. Je me suis rendu compte que les... Putain, il pleut. Il en reste combien? 9. Quand il pleut, en fait, il y a moins de personnages. Enfin, il y a moins de PNJ. Moins de personnes dehors, c'est normal. Je vais mettre mon casque. En fait, là pour l'instant il est trop fait pour pouvoir se moquer des comment il s'appelle, des flics.
Par contre, je tiens à préciser que si jamais on rencontre un flic et que je me retrouve avec 30, ne vous inquiétez pas que je fais un délit de fuite. Hein. Déjà, parce que ça fait plus de street cred. Et puis voilà. Bah, putain. Ok, on joue les zones. Tac. Ouf, moi 6. Bonjour madame, est-ce que vous serez intéressé par de l'opium? Très bien, sur gauche. Il m'en reste 4, c'est ça. Ok, ça vend plutôt bien. Ça c'est cool, surtout que moi je vais plus vite avec mon scooter. Regarde. Vas-y. Bonjour monsieur la Jean. Ce que vous faites ici, à l'instant? Je pense qu'on casse pas la fenêtre. Mettez-vous sur le trottoir, s'il vous plaît, ce sera moins risqué pour vous. Bien sûr. Tu t'occupes, je m'occupe de la voiture. Bon, demandez de me présenter une carte d'identité. Bien, bien sûr. Ah, c'est l'autre là. C'est bien le monsieur qu'on a en face de nous. Très bien, est-ce que je peux aussi avoir votre permis de conduire vu qu'apparemment votre moto est là-bas? Bien sûr, j'ai mon permis moto. Bah c'est déjà bien. C'est le seul que j'ai. Mais du coup, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faisiez là à l'instant? Je me baladais un peu. C'est étrange hein, parce qu'on est nous, on était juste à côté quand même et vous êtes en fuite dès que vous avez vu hein. Non, j'ai cru que j'avais une... comment dit-on? Une course poursuite. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait éviter. Donc que du coup, quand il y a une course poursuite, vous allez sur la route. C'est les réflexes de merde que j'ai. Giga logique, ça. Giga logique. C'est les réflexes de merde que j'ai. Bon, vous aurez déjà préparé à une fouille. J'imagine. Du coup, il vaut mieux que je vous dise ce que j'ai sur le moi. Oui, allez-y. Toujours. Non, mettez-vous sur le mur, contre le mur, je vais aller vous fouiller. Comme ça, pas de problème de d'égalité des sexes, tout ça. Voilà, levez les mains, monsieur, que je puisse vous fouiller. Ouais. Parfait. Est-ce que ce monsieur pourra aller ouvrir sa moto, qu'on puisse vérifier le coffre à bagages? Très bien. Après, faudra que vous alliez ouvrir votre moto. Monsieur, c'est quoi les deux petits sachets que vous avez dans votre poche arrière, là? Je suis un petit consommateur, je l'avoue. Petit consommateur. Dites-moi, vous l'avez vu vendre ou pas? Ah bah, il y a eu une alerte, pile à l'endroit où il était, on l'a vu courir aussitôt après, donc je pense que c'est lui. Est-ce que vous l'avez vu donner quelque chose à quelqu'un? Non. Non? Du coup, c'est pas un flagrant délit? Non. Bon, donc du coup, je monsieur... Je peux aller ouvrir mon coffre? Ah merde, attendez, je vous ai saisi un truc en trop, au secours. Ah, non, vous m'avez pris quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous avez combien d'argent? Vous vous rappelez combien... combien d'argent vous aviez sur vous? Vous m'avez tout le pays. Je m'en souviens pas. Je... Attendez deux secondes, hein. Genre vraiment attendez, hein. Je... C'est monsieur l'agent, c'est pas gentil. Oh, j'ai pas fait exprès, excusez-moi. Je dirais eu un petit souci technique. C'est pas le gentil que je fais. Sans genre qu'elle est mon baladeuse. Tant que vous pleurez pas mon téléphone, ça va, mais là on est... Oh, ça ne le prend pas. Ok, c'est bon. Attendez. Hop, voilà, j'ai retrouvé ce que je vous avais pris. C'est nickel. Vous êtes connu de nos services, monsieur? Pas du tout, je viens d'arriver en bill. C'est quoi? Tu peux mettre sa carte d'identité, s'il te plaît, que je vérifie si... Ouais, pas de soucis. S'il nous ment pas. Pas de
contrôle du véhicule. Si je suis dans les services de police, c'est vraiment pas de cul. Ah, attendez, on va vérifier ça deux secondes. Hein. En attendant que quelqu'un aille avec lui pour le véhicule, s'il vous plaît. Vous pouvez me suivre ? Bien sûr. Voilà. Yep. C'est dans contrôle. Ouais. Et vous venez d'arriver en ville, c'est ça ? C'est ça. Merci. Alors, le truc, ça va être de savoir. D'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait un Golf dans cette moto. Y'a rien. Ouais, bah écoutez, monsieur, vous avez de la chance. Je suis de bonne humeur. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Voilà, je vais juste vous saisir ce que vous aviez sur vous et on dira que. Hein, voilà. Parce que faire de la paperasse pour deux petits pochons, voilà. Hein, voilà. Donc, vous avez de la chance. D'où et, tu viens, cet interdit est très avant puni, du coup, je voulais tester. Mmh. Bah, du coup, c'est interdit aussi ici. Alors, comme ça, vous le saurez. Mais au Japon, c'est 20 ans de prison. Du coup, ouais. On pourrait peut-être s'inspirer de ça. Mauvaise idée. Et je peux vous demander où est-ce que vous avez trouvé ça ? Je n'ai pas le droit de balancer mes fournisseurs. Bah, écoutez, on est gentil avec vous, on vous donne pas d'amende. Vous pouvez être gentil avec nous aussi. Et surtout que je ne connais pas le nom. À quoi ressemblait ? Une caractéristique, quelque chose, un endroit. Une couleur, un endroit. Un accent. Non, pas d'accent. Il parlait un français très fluide, plus fluide que le mien. Mais je me souviens pas. Il m'a pas donné son nom pour éviter que justement je le donne aux policiers. Alors, à l'arrière. D'accord. Il vous a donné un moyen de leur. Ouais, il vous a donné un moyen de leur contacter quand même, parce que là. Non, c'est je l'ai rencontré en fait en ville. Plutôt par là-bas. Il m'a abordé, il m'a demandé si j'en voulais. Des gens qui aimaient bien le gris. Pas spécialement, ils avaient le pantalon gris, mais je me souviens pas s'ils avaient le haut gris aussi. Je crois qu'il était blanc. Je ne préfère pas vous mentir en vous disant qu'il était blanc, mais je crois qu'il était. D'accord. J'avais une question en tête et je l'ai oublié, je suis vraiment con. Il vous a pas donné de moyen de leur contacter. Non, parce que là, pas il vous a donné. Parce que l'argent, faut bien. Je ne suis que consommateur, je ne bande pas. Ah, comment ça, c'est que vous ayez de l'argent dans vos poches C'est de l'argent, tout le monde a droit à avoir de l'argent sur lui. Ah ouais. C'est pour mal fêter un hamburger après. Si, pas grand chose en vrai. Ah ouais. Reste, je sais même pas si j'en ai encore. C'est pas illégal d'avoir de l'argent sur lui. Ah oui, bon, mais d'accord, écoutez, sachez que c'est illégal la prochaine fois. Là on a été clément avec vous. La prochaine fois, on sera vraiment clément. Merci beaucoup. Ouais, passez une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et bonne soirée. Pour ma merde.
éviter de faire comme ça. C'est chiant. Il est raciste, je ne peux pas m'y aller. Ok. On ne peut pas monter. Très bien. Konnichiwa. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, oui. Ta moto, ça va tranquille? Ah bah elle est pas le fait. Ah bah écoute, tant mieux s'il y a moyen de te déplacer, du coup, c'est parfait. C'est beaucoup mieux qu'avec le vélo de merde. Tu m'aides, une moto et un vélo, je pense qu'il y a un monde. Surtout, j'ai l'air beaucoup plus crédible. Ah bah, si tu te présentes devant des gens en disant voilà, je cherche à avoir du travail et que t'arrives sur un BMX rose, j'avoue que bon, niveau crédibilité. Alors que là, avec ma belle moto. Exactement. J'impose un peu plus. Alors, si tu cherches Luc, parce que je suppose que c'est lui qui t'a appelé. Non, t'inquiète pas, je l'ai déjà vu. Ah, tu l'as déjà vu? Il faut que je fasse profil bas. Je me suis fait choper. Par la police? Totalement. Ah oui, merde. D'accord. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Bah justement, j'avais rien sur moi. Ah oui, mais bon, tu t'es fait choper. J'avais, mais je n'avais plus quand j'étais là. Un joint sur toi? Hmm? T'avais un joint sur toi? Non, deux. Deux? Ah oui, pas les choses. C'est pas un, c'est deux. Ah non, c'est pas un. Ah, bonne soirée. Bonsoir. D'ailleurs, quand je suis rentré, il y avait un accident devant le bar. Il y a un accident devant le bar. Tu parles des mecs qui sont par terre? Oui, les deux. Oui, ils m'ont pété la gueule. Oh, c'est triste. Tu les as défoncés en le toit. Oui, j'ai un peu été aidé par Luc, mais oui. C'est pour ça qu'ils sont pas le thème. Mais Luc m'a fait rire parce que j'arrive sur le parking. C'était plus des encouragements de la part de Luc. Bah c'est ce que Clance me dit, parce que j'arrive sur le parking derrière pour me garer, je croise Sou et Luc. Et Luc il me dit ouais, il y a pas un des gars qui les a. Qu'est-ce qui se passe? Ma voiture. Tu t'es couché sans voir de ta voiture? Oui. Ah mais le 2, c'est 200 balles. Tu veux que je t'emmène à la fourrière? Non mais ça va aller, pas maintenant. Parce que cet après-midi j'ai dû y aller à la fourrière moi par contre. Mais moi je trouve ça assez rigolo parce que tu t'es acheté quand même un vélo puis une moto et t'as toujours pas changé de vêtements. Ouais. J'aime bien être ressemblé à un clodo, au moins on me soupçonne moi. C'est pas fou. Je sais pas si on me soupçonne moi du coup. Ah mais le dossier ok. Bah oui hein. Mais c'est des masterclass que tu sors. Non, franchement. C'est que la dernière fois on faisait de l'urbex et tous les SDF, ils étaient en train de fumer des joints. Bravo. Moi j'en fume pas, j'en mange seulement. Ah bah oui. Mais c'est quand même. C'est pas parce que tu vends que tu consommes. Genre regarde moi, je suis barman, je ne consomme pas. Il faut jamais consommer la merde que tu vends. Généralement si tu dis que c'est de la merde que tu vends,
Bon. Mais par contre, c'est niveau qualité client, voilà quoi. Moi, je consomme juste les jus de fruits que je produis. Sinon, le vin, bah, je peux pas. Ah, vous êtes logisticole Oui, je travaille chez la vigne. Vous êtes en tant que stagiaire là-bas? Non, je suis vigneron. C'est légal d'embaucher des mineurs? Oui, ouais. Sauf dans les bars. Nous, on le pesait au Japon, mais c'était pas légal. Bah, techniquement, j'ai pas le droit de vendre d'alcool, mais j'ai le droit d'en produire. Hein, c'est plutôt pas mal. Pas pareil. T'as le droit de produire de la drogue, mais t'as pas le droit de la vendre. Oui. Nous, c'est ce qu'on pesait. Non, mais c'est comme l'alcool. Ouais. Techniquement, j'ai le droit de consommer de l'alcool, j'ai pas le droit d'en acheter. Bah, t'as le droit d'en consommer, mais on va dire que devant les yeux de certaines personnes, non. Bah non, mais légalement, j'ai le droit d'en consommer. Il faut juste que ce soit dans un cadre privé. Exactement. Oui, parce il faut que bon, ce soit quelqu'un d'autre qui ait payé l'alcool. Ouais, voilà. Parce que arrête, John. Maintenant que je sais que t'es mineur, Nora, quand tu passeras au bar, je te surveillerai aussi. Oui. D'ailleurs, mais vous êtes ouvert. Je me sentais mal. Oui, oui, on est ouvert. Tu veux quelque chose à boire, peut-être? Oui, je veux bien que prendre une bière. Une bière, okay. Prof. Ah bah, tu t'en occupes. Allez, je t'en prie. Attention à la caisse, quand même. Parce que moi, j'ai le droit de boire. Bah, tu as quel âge, d'ailleurs? J'ai 21 ans. T'es limite, hein. T'es limite, c'est quoi qui dit ça? De toute façon, je m'en fous un peu de la loi. Ouais, fuck la loi. C'est vrai. Bah après, si t'arrives avec de l'alcool en sortant du tequila, ça prend du tequila, là, pas deux fois. Ce sera quand même un peu de ma faute. Parce après, que... comme je l'ai toujours dit, ce qui est dans le bar, ce qui se passe dans le bar, reste dans le bar. De toute façon, moi, je vais bientôt. Bientôt, oui, vas-y. Je suis hypé là. Bientôt votre anniversaire. Oui. J'aurais pas 18 ans. J'ai 19 ans. J'aurais bientôt 20 ans. C'est quoi ton anniversaire? C'est en février. Vous êtes une 2002. Oui. Elle a coupé sur ses doigts, ok. Oui, on sait jamais. Moi, je suis un peu. Au moins, tu sais qu'on a 10, c'est pas compliqué. Non, mais c'est parce que j'ai l'habitude de dire que je suis née en 2001 alors que c'est pas vrai. Et salut, comment? Salut. Bon, bah, du coup, nous on va vous laisser. Bonne soirée. Et bah, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Faites attention à vous. Faites attention, je crois qu'il y a encore les flics dehors. Ah oui, ils étaient de là quand je suis rentré. Qu'est-ce que... J'aime bien. Il y en avait aussi à l'extérieur. Il y a les six petits Jésus. Moi, j'ai failli me faire rentrer dedans par Mistral cet après-midi. Alors. Et moi, j'ai eu cinq... J'ai eu trois voitures de flics sur ma gueule. Oui, j'ai eu trois. Non, mais la voiture des Mistral, elle m'a renversé. Je me suis relevé et la voiture de flic m'a renversé après. Parce qu'ils étaient en course-poursuite. Parce que oui, ils étaient en course-poursuite aussi contre moi. Enfin, contre moi. Genre, t'as la bagnole, ils étaient derrière la bagnole du Mistral et ils ont failli me percuter. Bah oui. C'est pour ça que donc ils t'ont touché aussi. Toi, par contre, ils t'ont touché. Mais ils m'ont juste roulé sur le pied, ils m'ont pas renversé techniquement. Vous auriez dû demander de l'argent de management. Mais ils sont même pas arrêtés. Tu crois quoi? Ils étaient en train de poursuivre les Mistral. Délit de fuite. Tu veux qu'il te fasse un petit bisou sur le pied pour que t'aies mieux? Non, mais qui paye 10 000 balles de dédommagement? Non, mais ça va, Non, mais le foutage de gueule, c'est que je les ai retrouvés au LSMS plus tard et j'étais là en mode non, mais nous on était pas en train de conduire. Alors que j'ai reconnu leurs cheveux. C'est la voiture qui nous a conduit, c'est pas pareil. Ils ont une automatique. Non, moi j'étais seulement copassager. Oui, moi je sais, j'étais copassager. Vous étiez 4 copassagers, c'est ça? C'est ce qu'ils disent tous. Bon, Los Santos, ça va être un sacré bordel ici quand même. Oh, en tout cas, ils sont rapides, ces cons. Oh, ah bah, oui. Tu t'es fait choper, oui. Le pire, c'est que je venais d'arriver dans cette zone. Mais je crois qu'ils se font un peu chier par la police.
Bah écoute, cet après-midi je les ai vu défiler avec les sirènes tout le temps, donc je sais pas trop. J'ai envie de faire de lancer plein de blagues. Mais ils avaient toujours les sirènes alors qu'ils avaient capturé la voiture des Mistral, ça je comprends pas. Si tu crois n'importe quoi. Oh c'est pas vrai, j'arrive. Ah bah. Les patrons sont tous occupés ce soir. Hein, Tanguy en particulier, il est toujours très occupé. Ah d'après ce que j'ai vu. Ouais. Enfin bon, c'est le soir, c'est normal. C'est pas bon pour son âge. Parce qu'il a quel âge Il est dans la fleur de l'âge. Dans la fleur de l'âge. Il a l'air d'avoir 30 ans. Bah oui, c'est Alice qui me dit toujours. Tanguy, il est dans la fleur de l'âge. Bah alors. J'ai un peu fait de magie aussi dans ma jeunesse. Ouais, faut croire. C'est tout à fait normal. Non, mais je m'inspire de Elie John. Que John a le droit, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit non plus. Putain, il y a des magiciens ici. Aïe. C'est super. Lui, on a la vie, on peut le faire. Prends pince-moi et pince-moi au cirque. Vous allez découper Nola en deux, c'est ça? Oh non. Comment? Vous allez découper Nola en deux. Pourquoi moi? Je sais pas, non. Deux magiciens, moi le public, et du coup il faut bien buter quelqu'un. Non vas-y, on ampute Tanguy. C'est l'expert c'est le faire. Ah oui, moi, je vais amputer Tanguy. Pas tous à nous rendre. Je préfère toucher à ton patron qu'à moi. Donc ouais, voilà, ouais. Donc, c'est gentil. Oh. C'est pas moi qui te fail, mais là le jeu avant tout. C'est pas de la pédophilie, t'inquiète pas. Hein. Si ça touche pas les pommes, c'est mon petit frère. Il y a seulement un an de plus que moi. Et allô, devant un juge, ça passe pas. Attention, vous allez péter les bouteilles. Attends, mais ça veut dire que si t'as un an de plus que quelqu'un, tu. Ah. Non, je sais pas, je m'en fous un peu de la loi à ce niveau-là. Ouais. Ça va, Elik? Oh, apparemment, y'en a un, ça l'a fait rire. Ouais, ça va. Le verre t'a pété. Vous allez avoir. Avec ton crâne. Allez, enfin, mais. Vous avez encore buté le. L'autre saveur? Oh merde. Oh, faut aller, ouais, c'est bien ça. C'est soit eux, soit nous. Qu'est-ce qu'on se ment au tequila là quand même? Y'a pas de ouais. Client mais c'est drôle. C'est bien avec ton crâne. Je suis magicien, j'ai pas eu mal. N'empêche, aller au LSMS, on ne sait jamais. Oh putain. Mais, attends. Ton crâne qui a touché le verbe. Vous allez devoir nettoyer ce soir du sang et un salveur. Oh putain, j'ai mal à la gorge. Il y en a un qui fait dodo là en plus donc. Il fait pas dodo, vous l'avez tabassé. Oh merde. Ah bah nickel, comment on atteint les pièles? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Y'a plus de salveur qui fonctionne, monsieur. Attends, Guy, t'inquiète pas. Il y a lui qui a détruit un verre avec son crâne. T'inquiète, c'est. Je suis magicien, je l'ai dit. En fait, vous avez fait une annonce d'ouverture ou pas? Attends, vérifier. Voilà. Bon bah voilà, c'est fait. Non, l'annonce d'ouverture avait été faite. Oui, je me souviens avoir vu l'annonce aussi. Oui, bah écoute, on a refait une, c'est pas plus mal, hein. Comme ça les gens ils savent. C'est pour ça que je suis venu à Pétouf. J'ai un peu mal au ventre, je vais pas mentir aussi. Mais qu'est-ce que vous parlez? Non, on va faire une petite blague par-ci par-là. Déjà, ça a commencé par les histoires de Nora, donc voilà. Puis. Les histoires de Nora. Comment ça, les histoires de Nora? Mais en vrai, limite, on sort un best-seller, on ferme le bar, on vient tous écrivains, et on raconte les histoires de Nora. En vrai, 100%, ça part. Mais y'a quoi avec les histoires? C'est incroyable. Et après, Kumu est arrivé et on pourrait écrire une suite. On va faire la préquelle. Ça va, je me suis juste fait choper par toi, voiture de flic. Mais comment vous avez fait votre Mais je sais pas, ils sont rapides ce soir. Ah oui, le soir en général, ils sont rapides et ils sont nombreux surtout. Mais sur le ouais. Temps que je venais de commencer, quoi, merde. Alors, on parle bien de distribution de salade verte. C'était pas de la salade verte.
Mais oui. Sur glace. C'est ça. Alors, vous en prenez toujours 10 petits paquets. J'en ai peu, pas beaucoup. Pas pour lui, je suis pas tout loco non plus. Honnêtement, c'est juste pour emmerder le SPD, hein, vraiment. À chaque pas que les aime pas, mais disons que quand depuis qu'ils m'ont foutu une amende pour 2 km/h d'excès de vitesse, je t'avoue que si je peux les faire. Ils m'ont écrasé tout à l'heure et ils sont même pas excusés. Oh, bah tiens, parlant d'écraser, vous voulez un autre truc? Un jour, je venais au bar en moto, tranquillement. Je tourne tranquillement, il y a le SPD qui arrive à contresens à plus de 130 km/h qui me renverse. Et ils m'ont dit, bah faites attention quand vous roulez. À 130, hein. Oui, oui. Mais on dirait une phrase qu'on sort quand on menace. Bah, apparemment, je pense qu'ils voulaient prouver que c'était pas eux qui étaient un tort, sauf que le souci, c'est qu'il y a deux côtés sur la route, on doit toujours rouler à droite, sauf qu'ils roulaient à gauche, et très très vite, et sans les gyrophares. Ah oui, ce que j'allais dire les enculés, s'ils mettent pas des gyrophares, c'est des cons en fait. Ah oui, non, c'est vraiment des connards. Non mais moi ce qui me surprend, c'est qu'à chaque fois que je raconte mon histoire où je me suis fait renverser par le LSPD, tout le monde est en mode, mais ils sont arrêtés au moins. Ils sont arrêtés au moins. Genre, non, ils sont arrêtés. Nora, tu veux pas faire le jeu. Oh, c'est bien le LSPD, c'est... C'est bien, Polter, c'est propre. Ah, Nora, tu veux pas faire le jeu. Comment ça? On se prend la gueule! Bah, coup de pression. Non. Je vais leur foutre des coups de pression avec mon sucre glace. Non, mais ce qui m'énerve, c'est qu'après, je les vois quand même voir les SMS et qu'ils sont là en mode. On était tous co-conducteurs. Y'avait personne qui conduisait. On était quatre co-conducteurs. C'était la voiture, elle a accéléré tout seul. Oui, bah oui, c'est des voitures automatiques. Et sans blague, moi ça m'arrive de temps en temps cette merde. C'est pas le LSPD qui conduit les voitures, c'est les voitures qui conduisent le LSPD. C'est pas pareil. C'est ça. Donc c'est la faute à la voiture. Mais du coup, ils savent à quoi le LSPD? Honnêtement, à faire chier. Bon souvenir d'eau. Nice. Non, alors après, bon, on rigole, mais voilà, il faut une partie de leur boulot quand même plutôt bien. Quand il y a des trucs très graves, ils arrivent à gérer des situations. Oui, et c'est plutôt chiant. Les prises d'otages, etc. Oui, tout ça honnêtement, ça oui, s'est jamais vrai. Mal fini. Mais disons qu'ils vont plus faire chier des gens honnêtes que des criminels, donc c'est chiant. Tout alors à fait, je suis d'accord avec vous. Fois, oui. Plus, je suis sûr que les criminels, ils les connaissent en plus de base. Ah oui, ils les connaissent, ça c'est évident. Bah, en tout cas, j'étais bien content quand ils sont venus prendre la prise d'otage. Mais... Ah oui, mais ah là, ouais, là, bah, bien sûr. Je prenais personne en otage. Oui, on est content qu'ils viennent nous sauver, on précise. On est content qu'ils viennent nous sauver, mais on les emmerde quand ils nous font chier. Oui, quand même. En vrai, on est un peu bipolaire. On n'est pas bipolaire, on dit juste les termes. Les mots sont durs, mais les mots sont justes. Mais les mots sont là. Bonsoir. Bonsoir. On le soigne. On peut vous servir quelque chose, vous aider? On va servir déjà les personnes là? Bah, elles ont déjà été servies. Non, nous on était juste en train de faire un mot de même chose. Ah, d'accord. One man. Non mais Nora, on fera sur le livre d'or du coup plus bas, clairement. Bah du coup, je vous sers, monsieur comment? Monsieur Farrell. Oliver. Monsieur Farrell. Monsieur Farrell, très bien. Enchanté. Qu'est-ce que je vous sers? Bah je vais vous prendre une bière, s'il vous plaît. Petite bière? Ouais. Ah bah tu t'en occupes, d'accord. Bon. Alors, donne-moi ouais, c'est... On l'entre pas dans son pantalon. Bah c'est compliqué de... Mais il faut jamais être deux derrière le bar, c'est compliqué sinon. Oh bah c'est pas bien grave, on s'amuse bien. Non mais il faut qu'il y ait une personne qui se plaque contre le fond. Merci. Hop. Bon, du coup moi je vais. C'est vrai que c'est dégueulasse. Tu vas rentrer. Moi je vais y aller, faut que j'aille voir Monsieur Anderson. Ah voilà. Ok, merci. Tu veux que j'aille voir si on entend les flics? Bon courage. Oh, ne vous inquiétez pas, normalement je suis blanchi. Merci beaucoup. Moi je suis blanchi. Le contexte, c'est vrai que c'est quand même vachement drôle. Je fais toujours attention à mes mots. Oui, ouais, j'en ai bien appris. Oh merde, j'ai raté la blague. J'ai raté la blague. Mais vraiment, vraiment. Faut que tu reviennes un soir. Non mais hey, j'assure, je m'en fous, je paye de ma poche, mais on organise un événement. Et sur scène je veux Nora et Komu. Je m'en fous. Ah, on peut peut-être essayer d'un. On peut. Je veux juste qu'il raconte des histoires.
Ah bah c'est, quoi, si vous voulez les voir sur scène, ça peut s'arranger. Hein. Oh bah carrément. Bah y'a une scène juste là-bas. Ouais, y'a une scène juste là si besoin. Mais je veux plus de monde parce que là ça va être incroyable. C'est, ça peut s'arranger aussi, je suis en train d'essayer d'organiser quelque chose de ce style là donc. Je pourrais jouer de la musique en aussi. En fait, il faut Nora, Komu et Charles Petit sur scène. Charles Petit. Il te sort des blagues de merde à longueur de journée. Je sens que je vais bien l'aimer. Ah, c'est une blague de merde, c'est trop drôle. Ah bah. J'ai hâte de rencontrer le personnage alors. Bah c'est le patron du Weasel quoi. Bah j'ai hâte de lui servir une bière. Oh, j'ai juste peur de bain. Par contre, tu peux me voir Ernesto là. Comment? Oui. D'ailleurs, ah, Ernesto, si on était choqué parce que, encore une fois, en un coup, il est au sol. Tu l'as bien perdu dans mon le mon téléphone, c'est 555 46. Ils ont été choqués. Tu sais qu'il y a une vague dans la salle de boxe, hein, si besoin, tu peux la racheter. Hein. Bah oui, mais ils m'en ont parlé, mais non. 46, 20. Il n'y a pas besoin de sécurité, je l'assure, la sécurité. Dieu te l'empêche. Bah, c'est vendu aux enchères, donc honnêtement, je pense que tu proposes le prix que tu veux. Après, c'est à toi d'avoir le plus élevé, quoi. Tu peux commencer à 1$ okay, et puis terminer à 200 000, quoi, genre. Mm-hmm. Tout est possible, hein, 1 000$. Oui, carrément, carrément. Alors oui, la radio qu'on dit, je sais pas si tu m'as entendu tout à l'heure, mais quand j'ai arrivé, en fait, ça a appuyé sur le bouton de la radio. Non, mais n'hésite pas à changer les... À changer, ouais, les à changer boutons, le bouton de la radio et puis du téléphone, parce que c'est un peu chiant. Et je crois que je les ai connectés sans faire exprès. Donc... Il y a... Mola Pochi. Je modifie tout ça. Oh. Bonsoir. Oh là là, là. Bonsoir. 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 Moi. Bah, deux fiacs, s'il te plaît. Ah oui, du coup, Tanguy dans le fiac. Qu'est-ce que vous mettez dans le fiac? Parce que tout à l'heure, on m'a demandé un, mais je savais pas. Tanguy, il met plein de choses dans son fiac. Alors, il y a une compotée de pêche. Parfait. Avec une liqueur de pêche. Je vous laisse, à plus tard. À plus tard. Ah, bonne soirée. Bonne soirée, je vais travailler un peu. Bon. Toujours deux mecs morts par terre. Ça se passe bien, c'est plutôt drôle. Je vais me placer. Hop, nickel. Alors, d'ailleurs, pendant ma fouille, les flics m'ont pris mon argent sale. Puis ils me l'ont rendu à Paulet parce qu'ils avaient fait une main maladeuse. Ok, oui, ils t'ont tout rendu, ouais. Ils m'ont tout rendu. Ouais, parce qu'en dessous de 2000$, ils sont pas censés te le prendre, c'est pour ça. Ils m'ont demandé si je vous connaissais, mais j'ai dit non. Nous spécifiquement, ou... Ils ont dit si je connaissais mon vandole. Je leur ai dit, je ne connais pas son prénom, je l'ai juste vu vite fait dans la rue. Ok. Ok, bah nickel. Bah si tu veux en prendre, vas-y, sers-toi. Parfait. Ils sont réactifs ce soir, c'est chiant. Ouais, ils sont au taquet. Hein. Nous on essaie de vendre aussi. Et il y a du bon. J'imagine que c'est compliqué. Ouais, exactement. L'argent sale, faut que je compte par contre combien tu m'as donné pour que je puisse te faire 832. Ouais, c'est ça, 832. Hop
là je note ça. N'hésite pas à noter de ton côté aussi si tu veux, ou si tu veux être sûr des comptes contrats aussi, hein. Y a pas de souci. J'ai toujours une calculatrice avec moi. Ah bah nickel. Ok, tu nous dis, enfin tu me dis si tu veux que je te fasse le blanchiment à chaque fois qu'on se voit, ou si quand on a, quand tu veux finir de vendre, quand te rend. Qu'on se voit à chaque fois qu'on se boit, comme ça j'ai pas trop d'argent sale sur moi. Tac. Alors, attends, est-ce que moi j'ai assez pour te rendre. Non, ok. Parce qu'en fait, c'est prochaine fois qu'on se voit, tu m'envoies par message ce que t'as en salle. D'accord. Et puis je te rendrai la moitié de ce que tu m'as donné là. Bien sûr. En propre. Et puis plus. 817. 417. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Non, 417. 417. Ouais, 4, ouais, plus la vente que t'auras fait. Parfait. Vas-y, bon bah à plus. À plus. Bon, faudra que j'aille partir m'acheter un casque. Ok, alors pour ce blanchiment là, enfin pour cette vente là, je vais aller petit à petit. Je croise une personne, je vends, je repars. Je croise une personne, je vends, je repars. On va acheter à manger. En tout cas, les deux autres, ils ont l'air sympas, ceux que j'ai rencontrés. Hop, très sympathique. Thank you.
C'est du monde ici. Ouais, ouais, on va éviter d'aller à Renwood Boulevard. Je pense que là-bas il surveille. Pas trop mieux ici. Faire un petit tour à la plage. Un tour vite à la fin, c'est-à-dire. On arrive, on vend, on repart. On arrive, on vend, on repart. J'ai un bug, ok. Alors. Je fais un retour lobby. Je fais un docteur lobby. Parce que j'ai un bug de merde. C'est chiant quand ça arrive ça. C'est long. Ah, parfait, c'est en train de se faire. Merde, mauvais clic. Non, je veux pas LibreOffice. Et ma vie. C'est bon, c'est en train de venir. Putain, je suis encore comme ça. Un instant, j'ai cru que j'avais plus de moto. J'ai eu peur. Ah merde. Tac. J'en fais deux et je me casse. Hey, what's happening? Ok, je me casse.
fait une cassée. Ils sont tendus ce soir. Je suis pas plus mal ce soir, moi c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Ah, attention, éloignez-vous que je donne pas le fiac à la. Ah oui, excusez-moi. Merci Tanguy. Bah de rien, c'est pas grave. Ouais, parfait, bah écoute, je te l'offre. C'est pas grave, j'étais juste en train de me servir un petit moment. Grâce à moi, tu as beaucoup de monde quand même. J'ai quoi? Grâce à mon steak, tu vends bien tes cocktails. Oui, bon, écoute, le fiac de ta main, c'est la petite de l'humanité. On peut y aller sur les blagues. Hein. C'est dégueulasse, monsieur le patron. Moi, j'entends, oui, non, et j'en rigole. Thelma et moi, c'est une longue histoire de fiac. C'est vrai. Bah ouais, bonsoir. 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 Bon, les dés de merde, ils sont chauds ce soir là. On s'occupe, on s'amuse. Non, mais je veux dire les flics. Ah, ah les flics. Ils t'ont rattrapé? Non, j'ai réussi à m'échapper à temps, mais le truc chiant, c'est que j'ai fait une seule vente, je me suis cassé, j'ai changé de zone, et deux secondes après, j'ai vu les flics passer. Oh non! On peut même plus travailler honnêtement ici. Ah oui, ça commence à devenir compliqué pour le travail. Mais... À pouvoir se reconvertir. Là, je suis en train de me reconvertir parce que bon, la vie criminelle, c'est. Ah! Prise de tête. T'étais criminel? J'étais aussi criminel? Bah, j'ai été petitement. Genre, j'ai vendu un peu de la drogue. Mais je me suis fait choper par les flics et bon, je suis en train d'avoir des problèmes et. Voilà.
Moi je me suis aussi fait choper par les flics, mais ils sont cons, ils m'ont pas mis d'amende. Monsieur Komu, vous parlez un peu fort. Oh putain de merde. Moi ça va, Loli ? C'est terrible. J'étais pour autant à 3,5, c'est quoi cette merde ? C'est bizarre. Mais ouais, je... Moi quand j'étais aux flics, ben ils m'ont laissé l'argent. Enfin, ils m'ont quand même mis une amende, mais ils m'ont laissé l'argent. Il faut être malin, il faut pas trop avoir d'allégeance sur soi. Enfin, moi, à chaque fois que je terminais mon job, bah, je contactais les gens au-dessus, et hop là, voilà, pour faire, faire l'échange. Quoi ? Je crois que ça insulte quelqu'un d'autre. Ah ! Ça va être marrant, ça. Mais ouais, genre, j'évite de garder de l'argent sale parce qu'imagine, à tout moment, je peux me faire contrôler, quoi. Ah bah, évidemment. Nous aussi, ça nous fait rire. Je comprends totalement vos discussions. Tu es trop jeune pour ça. T'inquiète pas pour ça, t'apprendras en temps et en heure. On t'initiera. Voilà. Ah ? C'est vrai ? On te formera. Aïe. Voilà, on te formera, on te protégera. Alors... Protéger, non, parce que je suis déjà pas capable de me protéger moi-même. En tout cas, moi, ah. Oui, hein, moi je protège. Et puis moi, j'ai la flemme. Moi j'ai un club de golf. Et moi je suis moi, clodo, j'ai rien. Regardez, j'ai un club de golf. J'ai pas le droit de sortir mon couteau, sinon Pandy va m'engueuler. Apparemment, je sais pas m'en servir et je suis en danger pour la société. Il va falloir faire une formation du couteau alors. Oh bah oui. Ouah, tu vas devenir coutelier. Waouh! Mais vous imaginez! Vous savez. Je pourrais avoir une Hearthstone sur les couteaux. Moi je pensais plutôt à, vous savez, dans les cirques, ceux qui lancent des couteaux. Ah ouais, faire ça. Les lanceurs de couteaux. Putain, on va vraiment faire un cirque côté qu'il a. Si vous travaillez dans un cirque, moi je viens avec le clown. Hein. Moi je viens avec le clown. Oui. Tu feras un très beau clown, Victor. Ouais. Bonsoir, même soir, m'a dit que c'était un guignol. Monsieur Philippe. Bonsoir, monsieur Komu. Eh, mais c'est pas ça. Non. C'est Yone. Bon, T'as confondu avec qui, John? J'ai confondu avec Charles Petit, mais je crois que c'est Yone, ça. Ouais, c'est Yone. Ouais. Le gérant, le patron du G6. C'est ça. C'est quoi le G6, d'ailleurs? C'est des gens qui vont avoir des armes légales. Des convoyeurs de fou. C'est les gens qu'il faut attaquer quand on a du gros fusil. Alors, en fait, mais... J'ai vu les corps dehors, c'est bon. Je comprends. Oui. Non, mais ah oui, les corps, il faut, oui. Il faut juste une sieste, il faut juste une sieste. D'ailleurs... C'est non, ils font pas une sieste, ils m'ont pété la gueule. Il y a quelqu'un qui attend bien au beau milieu de la route, statique. Ouais, j'ai oui, un peu peur. J'ai vu aussi... C'est quelqu'un, en fait, il a été déposé par un taxi, il est resté là. C'est un fantôme, ça, en fait. C'est un des nombreux fantômes du Tequilala. Oh non, vous avez toujours pas vu les camions. Eric ? Non, je les ai vus, les camions. Ah, je les ai vus. Eric ? Ouais. Ah, bonsoir, Yann. À un moment, il y avait un camion sur le toit. Ça va, ça va. Vous avez pas vu les camions à l'intérieur ? Non, ça, par contre, j'ai pas vu. Ça, c'est bizarre. Camion. Ah. Bah, le truc, vous les voyez pas ? Il faut arrêter de prendre le sucre glace. Je prends pas de sucre glace. Si, quand je fais des gâteaux. Tanguy, il vend des cupcakes qui sont très bons. Oh. J'ai un doute sur le sucre glace qu'il met. La cocaïne. Alors. La quoi? Rien. C'est de la farine, ça. Je pensais... Bon, je retourne travailler. Ça va, c'est juste des... Ils font de la cuisine, les copains. Ils sont pareils, c'est autre chose, j'avais peur qu'ils se plantent derrière.
ça lag. Ok, il en reste 26. Ah putain, faut que je... Hop là, attends, alors... Alors... Où est-ce qu'il y a... Je pense que vu là on va retourner à la plage, on va faire 2-3 ventes et puis on bouge. 2-3 ventes, on bouge. Putain, c'est vraiment chiant de respecter la limitation de vitesse. J'ai peur, je crois que c'était pour ma gueule. Bon, par contre, l'autre qui a peur d'avoir des répercussions comme les criminels. Ça, ça va pas. Allez, on s'avance. Ouais, alors pourquoi je prends une moto aussi? C'est une question pratique. Parce qu'en fait, il y a certains passages qui sont accessibles que par moto. Alors je fais les contresens, etc. Excuse-moi. Ok, ok, on fonce. Faut que j'aille aux MS. Alors, faut que j'aille aux MS, même si j'ai beaucoup de dégâts en fait, c'est ERP déjà. Putain,
ils sont en pause de milice. Ok, ils sont soignés en déplacement. Là, je peux rouler un peu plus vite, c'est 120 maximum. Toco. Monsieur ? J'entends des voix, mais je vois pas. Ah d'accord, alors. Attendez, venez, sortez de l'hôpital, ça arrive souvent. C'est un peu le stress, et ça fait que on perd momentanément la vue, mais vous inquiétez pas, ça va aller. J'espère. Ben oui. C'est bon ? Ah, en fait, je vous bois, c'est bon. Ah, respirez bien. Comment puis-je vous aider, monsieur ? Ah, ben alors, justement, j'ai eu un accident de moto. Je me suis mangé le sol. Aïe ! C'est pas très bon ouais, pour le système digestif, ça. Surtout pour la vue, je pense que c'est pour ça que je ne vous ai pas vu. D'accord, bah écoutez, venez, on va aller voir ça un peu plus près, ok ? D'accord. Alors, vous suivez la tête rouge et ça ira bien. Je vais suivre la voix, ça a l'air plus simple, putain, je vous vois plus. Toujours plus ? Ah, c'est un problème. Attendez, ressortez pour voir. Je vous vois dehors, mais pas dedans. Alors, respirez un bon coup. Voilà. Focalisez bien sur moi. Toujours là ? C'est bon, je boue. Nickel. Allez, venez. Oui, c'est un peu stressant l'hôpital, donc forcément, des fois ça arrive, mais c'est très bénin. Tout va bien sur l'intervention. Nickel. Hop là. Ah, opération pour 10. Bon, faut pas y aller là-bas, c'est pas très bon. D'accord, j'irai vendre plus de bas là. Comment ? J'ai pas compris. Non, rien. Hop là. Alors, on va aller en petite salle et on va regarder un petit peu finalement, manger des trottoirs c'est pas très bon. Alors, ça fait mal à la bouche. Ah bah oui, surtout si vous tombez peut-être la première. Ah, attendez, radio. Ah bah oui, on arrive, vous pouvez envoyer le point s'il vous plaît. SMS contrôle. Ah, ok, attendez, finir radio. Étant donné qu'on est que deux, je vais y aller toute seule pour l'instant. Et si au pire des cas, il y a besoin, on amène un renfort, d'accord ? C'était aussi pour mes collègues, surtout. Ok, allez, monsieur. Asseyez-vous. Je vais vite fait désinfecter votre bouche parce que c'est un peu saigné partout. Attendez. Attendez. Vous pouvez juste vous mettre devant moi ? Parce que ça va être plus simple. Ah, ok. Voilà. Je pensais qu'il fallait s'allonger. Oui. Là pour ça va aller, surtout qu'en plus malheureusement il faut que je me dépêche étant donné que pas le temps, pas de soucis. Voilà, et qu'on est que 3 en service donc c'est pas beaucoup. C'est sous-effectif ça. Oui, ah ben voilà. Montrez-moi la bouche, je vais mettre du pchit pchit qui ne pique pas. Pchit 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 pchit.
Pour le dette de merde, vous m'avez menti, ça pique sa mère. Ah bon, vous trouvez? Ah, c'est bizarre, pourtant dans l'étiquette, il marquait pas piquant. Bon, écoute, je suis désolée. Peut-être qu'on voit avec lui-même là, peut-être qu'il nous donne des médicaments de merde. Je pense aussi. Ok, alors. Hop, tenez, à défaut d'autre chose, je vais vous donner un petit $1, ça vous fera du bien. Ok? Merci beaucoup. Vous êtes monsieur qui? Parce que je crois que vous pouvez nous rencontrer. Effectivement, on vient de se rencontrer. Je m'appelle Komuheshi. Bonjour, monsieur Komuheshi. Écoutez, monsieur Komuheshi, ce qu'on fait maintenant, c'est que la prochaine fois qu'on monte sur une moto, on met un casque et on ne mange pas le sol. J'ai mis un casque, mais j'ai fait un accident bête parce que je suis pas doué. Ah, mais non, il faut pas dire ça, c'est juste on apprend dans la vie. Hein. Ok. Écoutez, monsieur Komuheshi, je vais vous raccompagner gentiment et moi je vais partir parce que on a besoin de nous. Pas de soucis. Nickel. Et pour ce soir. Voilà, vous faites un peu attention. Et si demain ça. Alors, bon, ça risque de un peu gratter parce que voilà, ça cicatrise. Hein. Après, c'est pas grand chose, hein, c'est des éraflures. Donc, on gratte pas. Mm-hmm. Et si demain ça dérange, et prendre un petit antidouleur en venant chez nous, ok? D'accord. Nickel. De toute façon. Oh, mes collègues. J'ai mon casque, du coup. Ah. Ça ira mieux. Pour l'instant, il y a Ariane, Dr Blue et Dr Ordis. Des bisous, faut que j'aille en intervention. Pas de soucis. Putain de bordel de merde. Ok, je vais vendre la dame. Sous-effectif, on se croirait en France. Là. Ok, je vais mentionner. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. On va faire le plein, juste en face, là, la station d'essence. J'ai besoin de faire le plan. Allez. Bon, on va dire que c'est bon. On fait un petit plan. Ok, donc la prochaine à droite on tourne. Putain, il fallait pas tourner. Partez de moi, tu t'es bien.
chance. Ça c'est l'aéroport. Ah putain, il y a des flics à l'aéroport. Il faut essayer d'aller à la plage. Je suis parti. Ça peut venir. Oh. Je crois que j'avais loupé ma sortie là. Je vais mettre un casque. On se casse, on se file. Mais si on arrive doucement, on va peut-être se faire choper. Comme on dit, c'est le jeu. C'est beau jeu. Nuance. Je vais pouvoir bouger le micro, ça va être mieux, je pense. Thank you.
fucking pussy. No. Ok. Ouais, je fixe bien ça, 896. C'est pas mal comme ça de vendre, ça donne un petit coup de stress que j'aime beaucoup. Hop là, nickel. Alors, tac. Normalement, ça fait 864. Je te dois. Parfait. Toc. Voilà. C'était plutôt bien cette opération de police. J'ai pu bien vendre. Ouais, bah nous aussi. Ça tombe très bien quand c'est comme ça. Ah bah, ça fait du bien. Si tu veux en reprendre, vas-y. Sinon, parfait. Je vais en prendre une petite lanterne comme d'habitude. Ouais, ok. Parfait, je vous dis à plus. Ouais, à plus. Ah. J'ai oublié de vous demander quelque chose. Ouais, pas de soucis, dis-moi. Est-ce qu'il y a des coins où il faut mieux que je ne vende pas?
Alors, dans les coins, il vaut mieux que tu évites de vendre. Merde. Par exemple, des endroits de gang pour éviter justement. Ouais, exactement. Dans. Au début de l'avenue Mirror Park, tu vois, en 72-99. 72-99. Là, il y a les Lost. Donc, évite de vendre dans la rue devant chez eux et sur le parking du casino ou au casino à côté aussi. Parce qu'ils peuvent te voir, ils peuvent venir t'emmerder. Évite de vendre sur la banque Awick Avenue en 71-93. 71-93. Parce que juste en face, là, le 71-09, c'est Mistral. D'accord. Où est-ce qu'ils sont ? Il y a la Sentencia qui est Cougar Avenue en 70-31. 70-31. Ça, bon, en vrai, j'ai peu de chance que tu ailles là-bas pour essayer de vendre, mais voilà, si jamais tu te trouves dans cette rue-là, bon, bah, évite de vendre dedans, quoi. D'accord. Et... alors Redline, eux ils sont pas loin du commissariat, mais comme il y a rien autour de chez eux, les 90, 59, 59, 58, 57, là tout ça là. Cut Glove Street et Ford Drive, c'est ça? Non, eux tu peux y aller si tu veux, mais y a personne d'actif là-bas quoi. Genre y a toujours les mecs des quartiers quoi, mais personne d'actif. Non, c'est côté en dessous de l'Olympic Freeway. Crusade Road au bout. Je sais pas si tu vois les 90, 54, 55, tout ça là. 90, 54, 55. Si, je vois. Ouais, voilà. Donc là, toute cette zone là, tous les 90 quelque chose qui sont là, de 54 à 59, c'est Redline. Normalement, t'auras pas à aller à vendre là-bas parce qu'il y a personne à qui vendre. Mais c'est bon de savoir qu'ils sont là quoi. Je pense qu'il faudrait proposer à la mairie de mettre sur la carte dans une couleur spécifique. Ah oui, les zones à éviter. Ouais. Dangereuses. Ouais. Bah, si, il y a chez nous aussi. C'est juste en dessous, là, en 70-78. 70-78. Ouais, évite de rentrer là-dedans, quoi. Tu peux. Sur Eclipse Boulevard, tu vois, tu peux vendre, il n'y a pas de souci, mais sur les rues qui sont autour, évite, quoi. J'ai mon vélo qui est garé juste au-dessus de chez vous. Ouais, bon, après le parking, nous on casse pas trop les couilles aux gens qui viennent dessus, parce que c'est un parking public, mais juste éviter de vendre dans les rues sur le côté, quoi. D'accord. Je ferai attention. Ouais, ok, pas de soucis. Non, moi de toute façon, je vends toujours sur la plage ou alors sur Vinewood Boulevard. Ouais, y a ça, y a... Bah tu vas peut-être au ponton de la fête foraine aussi, non, quand t'es sur la plage? J'y vais aussi, mais j'y vite parce qu'en cas de fuite, c'est compliqué. Ouais, si t'as pas de véhicule... Bon, après, tu me diras, tu veux un véhicule. Ok, ok. Bah nickel. Parfait, ouais, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Bon. Parfait. Du coup, j'ai un peu les coins dans le jeu. On va aller au bar, t'es qu'il est là. On va faire un petit coucou avant d'aller se coucher. Parce que je pense qu'on va arrêter là. Je commence à fatiguer, j'ai des trucs de prévu demain. Oh, c'est une bonne journée, on a une première étape dans la créativité.
dépêche. On va attendre que c'est l'air. Mais non, flemme. Putain, c'est pas d'entrée. Ça, maintenant t'es au courant. Eric ? Ah. Je crois. On a perdu le soda, Eric. Hein ? Eric ? Ça va ? Eric ? Ah, peut-être oublié de vous remanger ça. Ouais, désolé, j'ai mon audition qui m'a lâché. Ok. Et ça fait deux fois déjà, donc si ça continue comme ça, je pense que je vais aller voir Doc Lobby très vite. C'est très triste de devenir solo à ton âge. C'est pas que je deviens solo en fait, c'est que mon ouïe se coupe d'un coup là ce soir, je sais pas trop ce que j'ai. C'est la salut du coup, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et salut. Est-ce que je sers ça quelque chose? Ouais, est-ce et que toi je pourrais avoir un cocktail, s'il te plaît? Un cocktail pour toi? Allez. Je te donne ça tout de suite. Tout s'est bien passé pour une fois, alors je fais de ça. Je vais dire ou pas qu'il t'a vu 1000$, mais t'inquiète. T'inquiète pas, je le retiens. T'inquiète pas, moi je me dis bien, mais t'inquiète, je suis pas pressé. Alors, je te sers ça tout de suite. Fais ça bien. Moi, j'espère bien, j'ai fait ça toute ma vie. Et le cocktail. Pas le faire. Faut juste que je regarde le prix du cocktail, ne bouge pas. Et bien écoute. Le cocktail, ça te fera. On part sur 10$ normalement, si je ne me trompe pas. Je demanderai combien au cas où. Je te fais la facture tout de suite. Pas de soucis, prends ton temps. Et voilà, c'est en cours. En train d'être écrit. Non, c'est bon. J'ai vu que chercher un message en même temps, ça m'a fait peur. Pas d'habitude. Et voilà. Est-ce que j'ai l'air bloqué pour toi ou pas? Tu es totalement bloqué. Je regarde avec un air insistant à gauche. Non, tu regardes avec un air insistant tes mains. Ah, très bien. Normalement, ça devrait être bon. J'ai quelques soucis ce soir avec mon corps. Lâche un petit peu. Bon, bah, c'est pas mal comme ça. Hein. Mais je ne savais pas qu'il existait un muscle F5. F5? Ouais, le muscle F5, je ne savais pas qu'il existait. Si, j'ai vu aussi, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, parce que moi je prenais le muscle F2, moi. F2. Ouais, moi je me basais sur... Oula. T'inquiète pas, c'est normal. Non, c'est pas normal du tout. Si. Je l'ai dit, je suis magicien, regarde. Là, je suis magicien, t'inquiète pas. Voilà. On va faire ça comme ça, voilà. Bon. Celui-là, ce muscle-là, elle a plutôt pas mal pour mon boulot. Ça va ? Ça va, Nora ? Je me m'entraîne quand j'en ai besoin. Non, Nora ? Ah. Tu m'entraînes. Tu t'entraînes, oui, bah tu entraînes toi. Quand tu vas te faire choper comme ça, oui, c'est sûr. Bon, je vais retourner travailler. Ça marche, y'a pas de soucis, bah écoute, bah bon courage à toi. Parce qu'en plus, ils sont en opération, du coup, je peux vendre un peu. Ah bah là, oui, j'ai vu ça, oui. Fais quand même attention à toi. Oh, t'inquiète pas. Ça marche. Oui. Allez, vas-y, bon courage. Courage à toi.
Merci. Ça y est, j'ai une balle à faire en plus. On va pas rentrer en boîte. On va aller chercher, c'est bon. Non, j'ai cru que c'était un hôtel. Je me suis désolé. Je crois qu'il y a un palissance par là. Je vais quand même attendre. Je sais qu'il voilà, voilà. Est-ce que j'aurais jamais ça si jamais je fuis? On fait plein. Et on se dépêche. J'ai un petit départ avec ce gars-là.
Alors moi ce que je fais à chaque fois que je me mets un peu plus loin, je mets genre la pointe du casque, comme ça, hop. Hop là. Par contre, ça fait mal au cou de cette connerie. Putain, j'ai eu peur pendant 5 secondes. Putain, ils ont réussi à me faire peur, c'est pas clair. Enfonce. Je sais pas si les souplis sur moi, je vais être en banque. C'est lui, je te mets. Putain, ils font peur ces bâtards. S'enfuit. Excuse-moi, c'était juste pour vendre de la coke, tu vois, t'en vois plus. Il me reste combien? Putain.
renseigner sur quelque chose. Directement foncé en bas. Merde. Je suis dans les touches. Je préfère être poulet avec lui. Parce que je pense que ça peut m'être utile. Je sens que puis en étant poulet avec lui, il va pas de coup de pression, tout ça. Mais pas de coup de pression, je pense que plus. Puis il verra quel genre de personne je peux être. Je pense qu'il va m'apprécier comme ça. Et en étant apprécié, quand j'aurai monté mon bise, il y aura une confiance qui va régner. Excusez-moi, je suis... Ouais, t'es un peu tendu, là. Mais c'est le... C'est le stress. L'adrénaline. Évidemment. Hop là. Nickel. Et ben voilà. Je vais m'allaiter la porte ce soir, faut que j'aille dormir un peu. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Miel aussi, en tout cas, pour le travail. Ouais, ok. Demain... Demain, en début de soirée, genre juste peut-être autour de 19-20h, je serai peut-être dispo si tu veux vendre. Sinon, ça sera pas avant ouais, au moins minuit. Si... Sinon, ça qu'on sera même pas dispo du tout en fait. D'accord. Ouais. Et samedi, il y aura personne qui pourra te fournir non plus. D'accord. Donc, si d'ici là, t'as un véhicule, enfin, genre si demain par exemple. C'est un véhicule dans lequel tu peux stocker un peu, autre que ta moto. Bah on pourra te fournir plus, genre on pourra te donner 100 ou 200 si tu veux. D'accord. Et comme ça, ça te fera de l'avance. C'est toi qui gères, tu nous dis. Pour l'instant, j'ai que 1500$ en tout. Ok. J'ai un peu en banque aussi, faudra que j'aille voir combien j'ai.
Si tu veux, dans les véhicules de stockage qui coûtent pas trop cher, il y a le journée. Il coûte 3500, je crois. Et c'est, tu peux mettre 70 kilos dedans, donc tu peux mettre. C'est combien l'opium? Si je prends un bouchon. Je pense que c'est 200 grammes. Ah merde, je peux pas voir. Comme ça. Opium, il est où? Ouais, 200 grammes. Ouais, donc tu peux mettre 300, je crois. 300 pochons, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et ça coûte pas cher. Et comme si tu l'utilises comme truc de uniquement de stockage, bah c'est nickel, quoi. Voilà, comme ça, je me sers de ma moto comme pente et le journée comme stockage. Exactement, comme ça tu peux faire tes allers-retours sur un parking, des trucs comme ça, et puis... Pas le fait. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Du coup, tu nous diras si tu veux qu'on te fasse des... plutôt des restocks genre à la journée et ou tous les deux jours, ou enfin, comme ça t'arrange. Je paie avec vous, de toute façon. Oui. Dans tous les cas, ce qu'on fait, nous, c'est en fait, on t'avance, bah, comme ce qu'on fait là, en fait, on t'avance le, la cam, et puis bah, tu nous ramènes le sale, quoi. Bien sûr. Ok, ok. Bon, bah écoute, c'était pas trop mal, en vrai, si t'as réussi à vendre comme ça. Tu me suis juste fait piquer deux, ça va. Oui, bah tranquille. Ok, ok. Bon. Bah, bien aussi beaucoup. Bah, pas de soucis. Et puis, on se redit ça demain, début de soirée, si tu veux revendre. Pas de soucis. À demain. À demain. Arigato gozaimasu. Moi j'ai dit au revoir au dès qu'il est là. Qu'est-ce que tu fais tout seul ici, Paloteur? Le cul est fermé. Hein? Le cul est fermé. Ça va? Elle a blessé. Ouais, oui, je me suis mangé le trottoir. Ah oui, oui, je comprends. Ouais, il y a... Attends.
Du coup, en fait, moi j'étais benutier en le voit car je partais me coucher. Ah bah, au revoir, mais il n'y a plus personne. Ouais, je suis très triste. Tranquille, au bénisse. Ah, faudra que j'y aille aussi un jour. La moto, elle a mangé aussi le trottoir. Ah oui, bah oui. Fais très attention quand elle commence à fumer. Pour l'instant, ça va. Il y a juste le rétroviseur qui est pété. Ma voiture, elle m'a déjà explosé à la gueule. Et ça bat, toi ? Non, ça va. Hein. T'as pas de blessure ? Non, non, non. Enfin, j'ai une attelle, mais ça va pas tout cet après-midi. Tu t'es fait ça cet après-midi ? Oui, quand on m'a roulé dessus. Ah ! C'est le... Ces salauds de policiers. Bon, bah, bonne nuit. Et à demain, peut-être. À demain, peut-être. Oui, mata hasta. Allez, petit coup de flotte avant d'être parti. Mais j'en veux les sons parce que c'était fou. C'est horrible, je vais mettre un peu. Non. Bon. On va laisser un peu les sonores, tac-tac. Ils sont tous au Comico? Oui, on va dormir là. Hop là. Ouais, je mets ça pour fin. Pour la fin, il faudra que je pense à changer d'image. Du coup, j'espère que ce live vous a plu. On a découvert un peu le monde de la crimi, c'était sympa. Évidemment, je vais poster la vidéo, la VOD sur YouTube. Passez une bonne fin de soirée.